Bonjour, Krusty. Oh, des monstres! S'il vous plaît, ne mangez pas! Oh, chérie, c'est nous! Oh, vous n'êtes pas des monstres, en fait? Oui, on va bien s'amuser aujourd'hui. Vous avez quoi en tête? On va aller dans un parc d'attractions. J'arrive pas à croire que je suis pas en train de rêver. Oh, tout ça est très réel, chérie. Bienvenue dans notre parc d'attractions. Nickel, on y est. Nos billets? Vous allez vous éclater. Oh, on s'en doute pas. Hé, je peux te prendre ces ballons rapidement? Oh, désolé, miss, il est pas à vendre. Ah, t'es vraiment sûre de ça? Mais il est à moi. Plus maintenant, mon pote. J'ai quelque chose pour toi, Krusty. Waouh, merci, maman. Hé, vous venez? Ouais, on raterait pas ça. Pour rien au monde. C'est parti. Hé, pourquoi c'est si lent, hein? Oh non, est-ce que ça va? On va arrêter ce manège. Cette fille se sent pas bien. Ouf, oh. Tu vas bien, Krusty? Tu t'es bien amusée, non? Carrément, merci, papa. Tu es tellement courageuse, ma chérie. Vous êtes vraiment ses parents? Allez, papa, démarre le manège. Ouais, vas-y, Pudding. Tout de suite, les filles. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Genre, faire mon travail? Eh bien, c'est ton jour de chance. Je vais te montrer comment on fait. Plus vite encore. Prends-en de la graine, mon pote. Tu peux pas faire ça. Il y a une gamine sur ce manège. Oh, c'est déjà terminé. Maman, je me sens pas très bien. Vous devriez partir. Pas question, mon pote. Ouais, on passe juste une journée sympa en famille. Je vais appeler les flics. Chérie, où tu vas? Attends-nous. Ah, oh, quelle famille chelou. Tout va bien, Krusty? Oui, je me sens déjà mieux. Allez vite, c'est trop cool, non? Ah, ça, c'est ma fille. J'ai super faim, par contre. Alors, on va s'en occuper. Bonjour, je peux prendre votre commande? On aimerait un hamburger. Le plus épicé possible. Ouh, ça a l'air trop bon. Oubliez pas la sauce spéciale. Oh, merci. Yay. Maintenant, c'est le moment de goûter. Régalez-vous, tout le monde. Les enfants peuvent manger ça? Bien sûr que oui. C'est trop bon. Tu veux essayer, Krusty? Ce truc est délicieux. Eh bien, puisque tu insistes... Oh, tu devrais aussi ajouter de la sauce. Oh, ça brûle. À l'aide, au secours. On va y aller. On doit l'emmener à l'hôpital. Comment vous avez pu faire ça? Les enfants ne doivent jamais manger d'aliments épicés. Votre fille était en grand danger. On n'en avait aucune idée, docteur. On refera plus jamais cette erreur. J'espère bien que non. Je me suis tellement amusée aujourd'hui. Ah, on s'est bien amusé aussi, chérie. Vous avez de la chance que votre fille soit si gentille. Aujourd'hui, on va s'éclater. Bonjour tout le monde, je m'appelle Krusty. Hein? Qui t'es, toi? On dirait une loseuse. Ouais, loseuse. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Oh, j'ai une idée, tout le monde. Tu penses à quoi? Je suis partant, peu importe ce que c'est. Je reviens vite, ça prendra qu'une minute. Et voilà. Alors, vous en pensez quoi? Maintenant, on va se cacher. Ah, vous avez fait quoi? C'était pas nous, c'était toi. Mais j'ai rien fait. Je vais essuyer ça. Ah, vas-y, essaye. C'est ce que je vais faire. Oh oh, c'était pas moi, je le jure. Je ne peux pas croire que tu fasses quelque chose de pareil le premier jour d'école. Mais j'ai rien fait. Sors de ma classe, Krusty. Vous lui avez vraiment donné une bonne leçon, monsieur. Qu'est-ce qui va pas, ma chérie? Les enfants de la classe m'ont piégé. Et le prof m'a puni pour ça. Et si on jouait ensemble? Alors là, ça va pas le faire du tout. Mec, cette blague était incroyable. Ah, vous voilà. C'est vous qui avez embêté notre Krusty? Ouais, mais elle l'a cherché. Mauvaise réponse, gamin. Vous allez tous les trois être punis. Ça vous apprendra à vous en prendre à notre fille. Oh ouais, bien fait. Oh, le délicieux goût de la vengeance. Dommage que Krusty ne voit pas ça. Papa? Nous revoilà, chérie. Et on t'a apporté une petite surprise. On est vraiment désolé, Krusty. On t'embêtera plus jamais.
on le jure. Dans ce cas, on devrait jouer ensemble. Ça marche, avec plaisir. Oui, meilleurs amis pour la vie, hein. Maman, papa, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? J'en ai aucune idée, pour être honnête. On a en quelque sorte oublié de remplir le frigo. Mais j'ai très faim. Oh, tu sais cuisiner, Pudding? Ouais, c'est un de mes hobbies. Qu'est-ce que c'est? C'est des œufs de poisson, évidemment. C'est pas en place, truc. Je veux pas manger ça. Mais pourquoi? C'est super bon. Allez, essaye. On peut pas plutôt aller au restaurant? Bien sûr, tout ce que tu veux, ma chérie. Waouh, cet endroit est vraiment original. J'aime pas ce resto. Bienvenue, vous trois. C'est trop cool ici. Eh, ce truc est vraiment bon. Merci de votre visite. Je peux prendre votre commande? On va prendre un exemplaire de tout ce que t'as. Tout de suite, monsieur. T'es sûr de pouvoir manger tout ça, papa? Bon appétit. Oh, ce truc a l'air délicieux. Comment puis-je vous servir? Dépêche-toi, robot, on meurt de faim. Ah, je préfère ça. Bon appétit. On va se régaler. Appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose. Regardez toute cette nourriture. On peut tout manger si on le fait ensemble. T'es vraiment sûr? Mais oui, allez, on va pas perdre de temps. Alors je vais vous aider. C'est délicieux. Vas-y, mange tout ce que tu veux. Tiou, je crois que je suis pleine. Nickel, on peut y aller alors. Mais on doit d'abord payer l'addition. Oh chérie, les méchants ne paient jamais l'addition. Oui, jamais de la vie. Mais c'est interdit. Tais-toi, Christy, ok? Bouge de là. On est très pressés. Vous devez d'abord payer l'addition. Ne vous embête pas, espèce de boîte de conserve. Ça va pas bien se terminer pour toi. Payez l'addition. Oh, on n'a même pas d'argent. Alors vous pouvez la rembourser en travaillant. J'arrive pas à croire qu'on fasse ça. On peut pas appeler les flics pour qu'ils arrêtent ce robot. Oh, on va faire un autre casse aujourd'hui. Joyeux anniversaire, chérie. Tu deviens une merveilleuse petite méchante. Oh, c'est trop gentil. Merci, je vous aime tellement. Ah, c'est pour moi tout ça? Alors, ça te plaît, hein? On n'a pas lésiné sur les moyens. C'est le meilleur anniversaire de toute ma vie. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on a une autre surprise pour toi. Qu'est-ce que c'est? Tu vas bientôt le savoir. Alors, on y va. On va d'abord te mettre ce bandeau sur les yeux. Ok, tout le monde est là? Voici la reine du jour. Maman, où on est? On est à ta fête d'anniversaire. Ah, tous mes copains sont là. Bien sûr que oui. Joyeux anniversaire. T'es prête à faire la fête? Je savais que ça te plairait. Et maintenant, il est temps de te donner tes cadeaux. C'est ma partie préférée. Vas-y, déballe-les, chérie. Wow. J'arrive pas à croire tout ce qu'il y a. Oh, il est trop chou et tout doux. Et c'est que le premier? Ouais, continue. Ils sont tous si effrayants et rigolos. C'est les meilleurs cadeaux que j'ai jamais eus. Regardez-moi tous ces jouets. Moi aussi, je veux des jouets comme ça. Et maintenant, on va passer au meilleur moment. Maman et papa ont préparé un autre cadeau pour toi. Quel genre de cadeau? Wow, trop cool! Qu'est-ce que c'est? C'est une cuve remplie d'acide. C'est exactement ce que j'ai toujours voulu. Chérie, tu risques de te noyer là-dedans. Oui, oui, s'il te plaît, fais attention. Vous inquiétez pas, je vais bien. Alors, vous en pensez quoi? Tu fais très méchante. Je ressemble à maman comme ça. Mais je sais exactement quoi faire pour que ce soit encore plus fun. Qu'est-ce que t'as en tête, chérie? Oh, ouais, très bonne idée. Vous êtes tous prêts? Oups. Bande des poules mouillées. C'était vraiment une belle maison. Oh, j'aimais tellement vivre là-bas. Je suis désolée, je voulais pas que ça se passe comme ça. Oh, t'inquiète pas. Mais oui, on peut toujours trouver une nouvelle maison. Vous êtes les meilleurs parents du monde. Et tu es la meilleure fille qu'on puisse avoir. Ça veut dire que je peux continuer à fabriquer des bombes. Est-ce que t'es vraiment obligée, chérie? Allez, papa, sois pas rabat-joie. Bonjour, Polly.
Comment tu vas, ma chérie? J'ai faim. Bien sûr, ma chérie. Tiens, ton lait. Et aussi dégueu. Je veux celui à la fraise. Bien sûr, chérie. Tiens. Mon préféré. Maintenant, on va aller s'amuser, Polly. Regarde ton jouet préféré. Je vais sauter sur le lit. Bonne idée. Fais-toi plaisir, bébé. Je reviens tout de suite. Marie, pourquoi tu dors encore? Réveille-toi. Tu vas être en retard pour l'école. Et j'espère que t'as fait tes devoirs. Tu devrais vraiment arrêter d'être aussi feignante. Ouais, encore tes devoirs. Je les ai terminés hier, tu sais. Et ça veut dire que j'ai du temps libre pour regarder mon magazine. On va voir ce qui est à la mode en ce moment. Les légumes, c'est parfait pour le petit déjeuner. Parfait pour un enfant qui a besoin de grandir en bonne santé. Ça devrait plaire à Marie. Ah, tu lis encore ces magazines. C'est toujours pareil avec toi, Marie. Ça suffit. Pas de petit déjeuner pour toi aujourd'hui. Et je te confisque ça aussi. Tu dois lire des vrais livres, pas des magazines. Mais maman, c'est pas juste. Tu devrais essayer de ressembler davantage à Polly. Elle écoute toujours ce que je dis. Maintenant, chérie, on va se préparer. Oh, j'arrive pas à croire à quel point tu es mignonne. Wouhou! Aujourd'hui, on va bien s'amuser. Profite bien, ma chérie. Oh, tu me manques déjà. Allez, on se voit demain matin. Pourquoi tu ferais pas un peu de dessin, Polly? Oh, j'adore dessiner. Maman dit que j'ai un vrai talent. Eh bien, les enfants, qui peut résoudre ces problèmes? La réponse, c'est 7, monsieur Ryan. Bon travail, Marie. Et maintenant? 9, monsieur Ryan. C'est juste. J'adore les maths. Tu es en forme aujourd'hui, Marie. Waouh, encore un A+. Maman, regarde ce que j'ai dessiné aujourd'hui. Waouh, tu as tellement de talent, Polly. Tu deviendras une grande artiste. Maman, je suis rentrée. J'ai eu un A+ en cours de maths aujourd'hui. Quoi? Oh, bon travail, Marie. Pas juste un A, maman. Un A+. Oui, j'ai compris. Bref, regarde ce que Polly a fait. Cette fille a un vrai talent, moi je te le dis. Oh, et si je te lisais une histoire pour dormir maintenant, ma chérie? Mais j'ai travaillé si dur. Oh, maman, j'adore cet endroit. Waouh, regarde tous ces trucs. Maman, j'en veux. Et ça, et ça aussi. Tout ce que tu veux, chérie, choisis. Je veux des fruits, et des biscuits, et un peu de chamallow, et des bonbons aussi. Trop bon. Bon, ça suffit pour l'instant, hein. Oh non, je dois encore goûter à ce chocolat. On ne doit pas non plus oublier la glace. Oh oh, mon ventre. Est-ce qu'il va pas, Polly, chérie? Oh, je crois que tu as un peu trop mangé. Oh, ça fait trop mal. Oh, j'ai jamais vu de champignons comme ça avant. Maman, regarde ce que j'ai trouvé. Je suis occupée en ce moment, Marie. Il a l'air trop bon. Ouf, faut pas se fier aux apparences. Maman, je me sens pas très bien. Ah, arrête d'être aussi égoïste, Marie. Ta sœur a mal au ventre. Je peux pas m'occuper de toi en ce moment. Allez, suis-moi. On y est, chérie. Docteur, aide-nous, s'il te plaît. Bien sûr, quel est le problème? Tu vois, ma Polly a pris un petit goûter et tout à coup, elle s'est sentie mal. Oh là là, et qu'est-ce qu'on a là? Tu as vraiment mauvaise mine, jeune fille. Il faut qu'on s'occupe de toi. Marie peut attendre. C'est une grande fille. Va plutôt aider Marie, elle souffre. Bien sûr, on va lui donner cette pilule. Comment tu vas, chérie? Oh, ça va mieux maintenant. Dis, t'as des bonbons? Bon, Marie, voyons ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que ça dit? Oh, c'est très grave. Madame, ta fille a fait une intoxication alimentaire. C'est pas possible! Elle s'est jamais plainte! Ouh, ça fait mal! T'inquiète pas, Marie, on va te soigner. On a besoin de médicaments ici, et vite! Merci, je me sens déjà mieux. Oh, tu nous as fait mourir de peur, Marie! Ne refais plus jamais ça! Oui, maman. Maman, regarde! Mon bateau est le plus rapide du monde! Oh, j'ai soif. Et c'est mon verre, Polly. Marie, t'es plus grande. Tu dois être responsable.
Tiens, Polly. Je préfère ça, Frangine. Oh, d'où tu viens, mon petit bonhomme? T'es tout seul? Maman, regarde, un chaton. On peut le ramener à la maison? S'il te plaît, s'il te plaît. Bien sûr, ma chérie. Quelle fille gentille, attentionnée tu es. Ouais, c'est ça. Regarde tout ça, maman. On a besoin d'une cage. Bien sûr, chérie. Tu rêvasses ou quoi, Marie? Tiens, porte le sac. On va acheter plein de choses aujourd'hui. Pourquoi c'est moi qui dois le faire? On ne discute pas, jeune fille. Oui, maman. Notre chaton va avoir besoin de beaucoup de nourriture. Oh, et une brosse. Et beaucoup de shampoing. J'ai pris tout ce dont on a besoin, maman. Bon travail, Polly. Allez, Marie, dépêche-toi. Oh, j'arrive. C'est super d'être de retour à la maison, pas vrai, les filles? Pfiou, enfin, je vais dans ma chambre. T'as faim, mon petit bonhomme? Tiens, bon appétit. Mais sois sage, d'accord? Oh, c'est déjà l'heure de se réveiller. Hein? Qu'est-ce que c'est? Réveille-toi, Marie. Ton animal a fait plein de bazar. C'est pas mon animal. C'était l'idée de Polly. Pas d'excuses, jeune fille. Va nettoyer maintenant. Mais pourquoi c'est moi qui dois m'en occuper? C'est pas juste. Ouh, ce matin craint, à mort même. Ça suffit, j'en ai marre. Je quitte cette maison. Je crois que le dortoir a un lit libre depuis peu. Bonjour tout le monde, je m'appelle Marie. Vous cherchez toujours une coloc? Ouais Marie, installe-toi. Je suis sûre qu'on s'entendra bien. Je m'appelle Marc. Ici, chaque nouvel arrivant a droit à une petite séance photo en guise de bienvenue. Mais avant ça, prends donc un chocolat chaud. Merci, il est délicieux. Maintenant, t'es prête pour le shooting? Carrément. Alors, fais-nous un sourire. Tu t'en sors très bien, Marie. Wow, super. Merci, Marc. T'es vraiment doué pour ça. Tu sais quoi? J'adore cet endroit. Cet endroit est vachement mieux que mon ancienne maison. Oh, j'ai failli oublier. Aujourd'hui, je dois aller à l'école. Je vais me préparer. À plus tout le monde. Bonjour les gars. Tu dois être la nouvelle, hein? Viens, on prend le petit-déj. Oh, mais j'ai rien à manger. T'inquiète pas, on va partager avec toi. Bon appétit. Merci, vous êtes vraiment sympa avec moi. Pas besoin de me remercier, l'ami. Très bien, ne perdons pas de temps. Commencez à répondre aux questions. Oh là là, c'est vraiment faisable ce truc. Vous inquiétez pas tout le monde, j'ai un plan de génie. Faites-moi juste confiance. Dites bonjour à mon petit copain, le professeur Smarty. On a vraiment, vraiment besoin de ton aide, professeur. S'il te plaît, nous laisse pas tomber. Vous voyez, je vous avais dit que je vous aiderais. Vous aviez tous réussi le test? Très bien, vous avez tous terminé. On va corriger les réponses. Bon travail, Jack. Toi aussi, Marie. Oh, Lucie, tu as réussi aussi? Les réponses de Tyler sont aussi justes. On dirait que vous avez tous eu un A aujourd'hui. Félicitations. On a réussi, les gars. Oh, Marie, merci. Tu nous as vraiment sauvé la vie. Joue avec moi, Fluffy. Tiens, attrape. Wouhou, j'ai gagné. Maman! Je suis la chérie. Oh, Polly, je sais que tu aimes beaucoup jouer dans la maison, mais... Tu ne peux pas traiter ton animal comme ça. Tiens, je t'ai apporté des nouveaux jouets pour t'amuser avec. Wow, merci beaucoup. Maintenant, on va aller nettoyer Fluffy. On va avoir besoin de beaucoup de mousse pour ça. Un tas de mousse. Oublie pas d'utiliser la brosse, chérie. Maintenant, c'est tout propre, Fluffy. Tu veux jouer au Lego? Attends, où est Marie? Elle doit pas manquer l'école. Allez, Marie, décroche. Super, un A de plus pour mon bulletin. Déménager, c'était vraiment une super idée. Oh oh, maman? Non, je décrocherai pas.
j'ai mis mon casque. Voilà qui est mieux. Plus d'appels dérangeants de la maison. T'embête pas, maman. Je reviendrai pas. Oh, Marie, ça dépasse les bornes. Qu'est-ce que je vais faire sans toi? Maman, où est Marie? Elle me manque. Elle me manque aussi, chérie. Mais on la retrouvera bientôt ou tard. Professeur, notre Marie a disparu. Disparu, tu dis? C'est absurde. Elle vit juste dans le dortoir maintenant. Oh, c'est de ma faute. Je suis tellement stricte. Tu devrais probablement essayer de t'excuser auprès d'elle. C'est exactement ce que je vais faire. Merci, professeur. Marie, Marie, où t'es? C'est maman. Oh, vous êtes là. Désolée, j'attendais pas d'invité aujourd'hui. Oh, Marie, je suis vraiment désolée. J'ai été si méchante avec toi sans raison. S'il te plaît, Frangine, reviens à la maison. On t'aime. On te maltraitera plus jamais, je le jure. Dans ce cas, je reviens alors. Merci, tellement. Bon, les filles, j'ai une surprise pour vous. Suivez-moi. Wow, cet aquarium est génial. J'adore cet endroit. On va s'éclater aujourd'hui, vous deux. Vous êtes prêtes? Carrément. Regardez tous ces poissons. Ils mordent pas, hein? Oh, tu es en sécurité, Polly. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de quoi que ce soit tant qu'on est réunis.